soir. Donc, quand vous avez la possibilité plus tard, connectez-vous pour regarder mon direct, ok? Donc, je veux parler de l'intuition des choisis. Quand tu commences à... Quand ton argent commence à entrer, ce que tu fais commence à donner, même si ça ne donne pas encore. Et que tu sais que tu es un roi, tu sais que tu es un choisi. Ce que tu dois faire, tu dois te faire confiance. Le choisi, c'est quelqu'un que ces choses évoluent par la vision intérieure. Tu te lèves le matin comme ça. Dieu te dit, tu as l'argent qui arrive aujourd'hui. Une autre personne peut te dire, ah, tu crois que tu es qui jusqu'à tu peux savoir, tu peux sentir. Les choisis, en fait, sont les sorciers. Vous suivez. Les choisis sont les petits sorciers. Tu restes, tu dis, allons au marché. Je ne sais pas pourquoi, allons au marché aujourd'hui. Tu arrives au marché, un produit que tu cherchais depuis... Où tu avais trouvé son badé à 500 000. Le jour-là, tu trouves ça au marché, on liquide à 150 000. Les femmes choisies ont beaucoup de difficultés qu'elles sont dans leur relation avec leurs hommes parce que quand tu commences à activer tes dons et tu commences à te connecter, tu reçois des messages et des impulsions très fortes. Et parfois, l'homme va dire, son ego, l'ego de l'homme va venir pour parler. Que c'est moi l'homme, non. C'est moi l'homme de la maison. Tu dis peut-être que investissons dans telle chose. Parce que tu es connecté. Tu payes ta dîme. Tu as des informations que ce n'est pas tout le monde qui a. Parce que le choisi, hein, tu es sur notre dimension intérieure. Et quand tu fais bien tes lavages, tu as des outils spirituels que tu as achetés, tu es équipé. Tu restes comme ça, là, tu sais que je dois faire telle chose. Parfois, c'est même comme il y a une force qui te pousse même, qui te porte même pour aller faire pour toi. Tu dis, je ne sais pas pourquoi, mais... Je sais que je dois partir là-bas. Je ne sais pas pourquoi, je sais que je dois rester dans le pays ici. Je vous prends souvent l'exemple de Isaac. Isaac est arrivé, il était en Égypte depuis longtemps, ces choses se passaient bien comme tout le monde. À un moment, il y a famine. Tout le monde dit que gars, le pays ici c'est fort, ça ne donne plus au Cameroun. Ça ne donne plus au Cameroun. Partons. Il reste avec ses associés, ces gens avec lesquels il restait, il causait souvent. Tout le monde dit qu'on va, on part vendredi. Jeudi dans la nuit, Dieu vient parler à Isaac dans le rêve. Que ne bouge pas. Que ne bouge. Ne bouge pas. Isaac se lève le matin, comme de la même façon que son père Abraham avait dit à Sarah, que viens pas. Le voilà, il dit, on ne part pas chérie. Sa femme dit, ah chérie, ouais, on n'a même plus assez d'argent, les banques ne donnent plus les crédits. On va faire comment? Tous les employés sont en train de bouger pour aller en Égypte. Il dit, on ne part pas. Il parle à tous ses employés que celui qui veut rester, reste. Celui qui veut rester, reste. Celui qui va partir, part. Ok? Tous les employés disent que, ok, certains restent. L'année là, dès qu'il reste comme ça, il a même sûrement acheté encore d'autres terrains parce que les gens liquidaient pour partir. Il achète les terrains, on dit tu es fou, comment tu prends ton dernier argent, tu investis? Mon intuition. Je sens dans mon cœur que je dois rester ici. Le voilà qui porte l'argent, il investit. Ils sèment l'année là. Ils sèment. Et la Bible dit que il sema et il récolta 100 fois plus que ce qu'il avait semé cette année. Je prophétise sur vous que cette année, 2023, vous allez récolter 100 fois plus que ce que vous avez semé. Vous allez faire une récolte au centuple cette année. Au nom de Jésus. Vous allez récolter 100 fois plus cette année. Mais vous comprenez les conditions, non? Quand tu fais quelque chose, on dit que tu es fou. Quand tu payes ta dîme, tu fais ton lavage au sel, tu payes les huiles de ceci, on dit, ah, ton mari là, il exagère. La cata, c'est quand on te dit, tout le monde te dit que oh, c'est maintenant au Canada que ça donne. Hein. Tu dis non, je vais partir à Badjoun de rester. Que je pars à quoi m'installer. Ah, tout le monde veut le visa pour aller au Canada, toi tu veux rester à quoi? C'est même qui se qualité de mari ça. Te voilà qui part. Tu pars, tu t'installes à quoi? Quoi, c'est à Badjoun, au Cameroun. Un an plus tard, on entend seulement bien. Stéphanie est milliardaire. Ruth est milliardaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est arrivée à Badjoun, elle a trouvé un terrain qu'on vendait. Elle a pris le terrain, elle a divisé et puis elle a commencé à vendre. Elle a découvert même le diamant sur le terrain. Parce que tu as suivi ce que l'intuition t'a dit. Cultiver cela. Je crois que Dieu aime quand quelqu'un dit que Dieu m'a dit que Dieu m'a dit de partir, Dieu m'a dit de... Dieu aime ça. Que tu fais ça pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je dois faire. Je sais que je dois faire. Je prophétise sur vous, votre connexion s'intensifie dans cette période au nom de Jésus. Je déclare que tes oreilles vont s'aiguiser. Que tu vas t'aligner avec les paroles que Dieu a dans son cœur pour toi. Tu arrives quelque part, on te dit, wow, il faut payer 150 000 pour faire telle chose. Soins énergétiques, je vous ai parlé de soins énergétiques récemment. Il faut payer telle chose, je ne sais même pas ce que Dieu te met à cœur. Tu pars, tu payes. Quand tu payes, une partie de ton esprit te dit que ah, tu es folle. Regarde tout l'argent que tu peux investir sur ça. Justement que laissez-moi, que pour ta canne, tu peux faire. Parfois même, tu dois devoir aller à l'encontre ou essayer de convaincre ta femme ou ton mari. Oui. Tu dois essayer de convaincre ta femme ou ton mari. Parce que la personne là, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Tu parles à ta femme, elle dit, hein, pourquoi on doit faire ça même? Pourquoi? Tu parles à ton mari, il dit, hein. Mais tu le convaincs quand même, en douceur. 2 mois plus tard, l'argent s'est multiplié par 50 dans votre compte bancaire. Il dit, ah, ma femme là, n'attends pas qu'il te reconnaisse. N'attends pas qu'il accepte que tu avais raison. Ne cherche même pas l'autre là. La plus grande fierté, c'est que je peux entendre la voix de Dieu. I can hear God's voice. Je suis guidé par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est ça ton plus grand, ta plus grande récompense. Ce n'est pas que les hommes t'apprécient, ce n'est pas que les femmes t'admirent. Non. Ta plus grande récompense, c'est que tu écoutes la voix de Dieu. Dieu te dit avance, tu avances. Il dit stop. Avance. Stop. Porte ton argent, tu investis dans ça. 3 mois plus tard, là, ça boum, boum. Maintenant, on vend seulement les parts. On vend maintenant les parts, c'est devenu cher jusqu'à... Alors qu'elle sera là quelques mois, personne ne regardait. Dieu t'a dit, prends l'argent, tu mets là-dedans. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de qui? De Dieu. Obéissez. Ça va tellement vous... Ça va vous donner une assurance. Ça va faire que vous évitiez de vous... Tu es en train de demander conseil. J'ai fait, écoute, récemment, tu vois, souvent quand tu grandis, que ce soit spirituellement, financièrement, physiquement, dans certains domaines, parfois même tu as des problèmes dans ton mariage comme ça là. Ta tête te dit qu'appelle telle personne, elle est mariée depuis 30 ans, elle va t'aider. L'Esprit Saint te dit n'appelle pas la personne. Assois-toi, je te dis comment tu vas dealer la situation si avec ton mari ou ta femme. Bonjour la reine Janine. Donc je suis restée comme ça là. J'avais une situation dans un de mes business. L'esprit me dit ce que je dois faire. Après, il dit que, oh, il faut que j'appelle. J'avais un Decepticon comme ça, ami. Et la personne, c'est quelqu'un qui est dans le business depuis longtemps. Ma tête me dit qu'appelle-le, il va te conseiller. L'esprit, ça me dit, ne l'appelle pas. Maintenant, tu vois un peu quand tu vois, la tête commence à dire que non, quand même, il faut quand même raisonner. Tu ne vas pas quand même diriger ton business avec l'Esprit Saint seulement. Il appelle. On parle. Dès qu'on commence à parler, la communication se coupe. Pic, WhatsApp. Quand ça se coupe, l'Esprit Saint me dit, je ne t'ai pas appelé, non. Je dis, je force encore. Après avoir fait 3 conversations coupées, je fais le voice, je dis que ouais, fais le voice alors. L'Esprit Saint me dit que tu es têtu. Tu es têtu. Bonsoir, Ilou. Maintenant, la personne donne ses conseils qu'il a donné. 3 mois plus tard, là c'était en décembre. Maintenant, on se retrouve en... Et finalement, la personne n'a même pas aidé, il n'a rien fait. Donc, il n'a même rien fait. C'est vraiment une personne qui veut savoir quelles sont tes difficultés pour venir un peu faire, ok, comme je t'ai écouté, toi aussi, écoute-moi, non. Voilà. 3 mois plus tard, la personne me disait ce qu'on devait traiter ensemble. L'Esprit Saint me dit que j'étais bien, je t'avais dit à ça quelques mois que tu n'as aucun deal à traiter avec cette personne. Parfois tu restes, tu crois que tu as besoin de la sagesse d'un homme ou d'une femme pour ta chose. Alors que Dieu a déjà... Bonsoir. Donc je disais que l'esprit va te donner la sagesse en avance. Si tu es bien sûr disposé pour écouter. De la même façon que Joseph est arrivé, il avait la faveur avec Potiphar, il avait la faveur dans la prison où il était, il a eu la faveur avec le roi d'Égypte, le pharaon. Toi aussi, c'est ton intuition quand tu vas l'écouter qui va te donner la faveur partout où tu vas partir. Et le Seigneur, quand il me parlait tout à l'heure, il me disait que il y a les intuitions que vous avez, ce sont des intuitions qui détruisent les barrières. Les intuitions qui accélèrent les choses. Tu arrives quelque part comme ça, quelqu'un est bloqué, elle a déménagé peut-être depuis, on n'a pas installé... la lumière chez elle, ou bien on n'a pas installé internet parce qu'elle ne connaît pas, elle est allée à Orange, on l'a tourné, elle est allée à Camtel, on l'a tourné. Toi tu arrives, bonsoir, oui, vous parlez, après tu dis, ah oui, j'ai même montré que c'est là que j'attends qu'on m'installe. Tu dis, mais je connais quelqu'un. Tu vas là, tu prends le téléphone, On vient demain t'installer à 10h. Il y en a parmi vous, c'est votre onction. Vous avez une onction qui résout les problèmes. Vous avez une onction qui résout les problèmes. La Bible dit, Daniel avait une onction qui dissolvait les nœuds. Donc partout où Daniel arrivait, même si ton problème était n'importe comment, il trouve la solution. Même si n'importe comment, il trouve la solution. Vous avez ça en vous. Le problème, c'est que vous ne vous faites pas confiance. Et cette affaire d'intuition, c'est quelque chose que plus tu suis ça, plus ça donne, plus ça donne. Donc ça peut grandir comme ça peut diminuer. Parfois, vous êtes dans des relations avec les gens, ils vous font diminuer votre intuition. Parfois, et généralement, c'est quand tu quittes une relation. Parce que tu as l'opportunité d'être seul, de suivre ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc, tu sens ça à l'intérieur de toi, tu pars, tu fais. Tu fais, ça donne. Demain, tu te lèves, tu fais encore. Ton intuition, c'est comme un muscle que tu dois exercer tous les jours. Et le matin, j'ai enseigné sur les finances. Le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est un rapport direct avec ce que je suis en train de vous expliquer. Ils sont directement liés. Étroitement liés. Si tu es quelqu'un que quand l'esprit te parle, tu fais 6 mois avant de faire, tu auras toujours les problèmes. Hein? Tu auras toujours les problèmes. Hein? Je t'ai dit, c'est compliqué. Hein? Oui, Dieu m'avait montré ça. Mais tu vois, j'ai pensé que ce n'était pas encore le moment parce que... Ah, c'est compliqué. Oh. Vraiment. Écoute ce que tu ressens. Parfois, ça va te demander de ne pas partir là où tout le monde part. Tout le monde fait le shopping, tu veux aussi faire le shopping. Tout le monde fait dans ça, tu veux aussi faire. Demande à Dieu. Parfois, tu ne demandes même pas, mais tu ressens en toi que je sens que je dois faire ça. Tu vois, le je sens là, non. Je sens que je ne dois pas. Ça, c'est la clé là-bas. C'est la clé de notre royaume. Romains 8, verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Those who are led by the Spirit of God are the children of God. On ne discute pas avec quelqu'un. Et c'est que vous aimez souvent ça. Vous aimez prouver aux gens. On ne prouve pas les choses. Tu arrives quelque part, tu n'as pas besoin de montrer que je suis plus belle que vous, que je suis plus intelligente que vous, que je suis plus riche que vous. Allez, la faute. Je suis seulement ma direction que Dieu m'a dit de faire. Et quand tu suis, tu dois avoir confiance. Que comme je marque mon pas comme ça, Seigneur, je crois que je suis sûr que c'est toi qui m'as demandé de faire ça. Et si ce n'est pas toi, arrête-moi en chemin, tu me dis, tu me montres. Ou tu me montres le bon chemin. Parce qu'il y en a parmi vous là, je vous connais tous ici là-haut. Vous tous ici là que je vous vois. Vous venez dans mon direct, là vous êtes chaud. Oui, tu as raison. Suis ce que l'Esprit te dit de faire. Suis. Et fais. Tu vas voir, tu seras ébloui. Parfois, vous dites que vous voulez changer votre vie, mais vous fonctionnez avec les anciens systèmes de pensée. C'est toujours ta mère qui te contrôle. Ah, moi, il ne peut pas payer la dîme. La dîme, c'est quoi? Moi, je ne peux pas. Seigneur, guide-moi. Seigneur, bénis mon business. Et ah, tu te moques de qui? Tu te moques de qui? Fanchou, ce n'est pas évident. Reste dans ta souffrance, non? La fête, ce n'est pas... On ne te force pas, hein? Une place. Ne fais pas, tu as compris? Si je laisse, je vais faire comment? Si je laisse, je vais faire comment? Continue de rester là-bas. Comme tu ne veux pas quitter là. Reste, non? Tu as compris? Reste là-bas. On va voir. Frustration sur frustration. Ah, les gens qui sont... Vous avez même fait comment? Et tu as même fait comment pour écouter la voix de Dieu? Tu sais que ton temps est expiré là où tu es là depuis. Qui de là tu pars? Tu forces toujours, tu restes. Tu forces, tu restes. Certains d'entre vous partez dans des pays, vous forcez pour l'asile. Tu veux Ngunda, tu forces, tu forces. Tu forces, tu restes quoi? Dieu t'a dit de rentrer au pays depuis, non? Il t'a dit quoi? Il faut tout rester là-bas, tu as compris? La galère va te toucher. Ça, c'est en train de rentrer dans le cœur de quelqu'un maintenant, là. Le game va te toucher bien même. De toute façon, on t'a dit que c'est là-bas que ça donne. Reste non. C'était un petit message que j'avais pour vous. Il ne fallait pas que ça sorte, que ça disparaisse. Il fallait que je vous le donne. Ok? Vous passez une bonne soirée. Et écoutez votre intuition. C'est comme ça qu'on s'enrichit dans le royaume. Dans le royaume, on se fait de l'argent par intuition. Point barre. N'attendez pas 50 personnes pour confirmer ce que vous avez reçu de Dieu. Oh Seigneur, je crois que tu m'as appelé à faire telle chose. Si c'est vraiment toi, Seigneur, fais que 3 voitures blanches passent ici là. 3 Mercedes blanches. Tu attends. Passez une bonne soirée.